Il était secondé par son greffier. Et ils accordent également leur talent pour la grande messe historique qui se déroule le dimanche matin à l'église Saint-Pierre. Sien de Tramasure et ses officiers, dont l'un des officiers porte l'épée de Sébastien Tramasure. Et vous voyez apparaître pour la première fois sur la grande place le successeur de Daniel Pinois, Vincent Minuzzi, qui a du sang, Tramasure, très très loin dans une de ses veines, via le grand-père de Sébastien Tramasure. Alors, changement de Tramasure, changement de rite, on a repris un rite ancien qui était de porter l'épée sur un coussin pour la montrer à la population. L'épée est finalement le seul vestige réel de l'assaut de 1578. Donc dorénavant, c'est un officier qui porte l'épée en compagnie de Sébastien Tramasure. Et il repose l'épée sur le coussin. Tramasure, puisque si changement de Sébastien, changement de Madame aussi. Qui ont eu lieu pendant plusieurs jours, hein, au mois de novembre. Avec le train d'Israël, chien qui monte le cheval. Chien. Il s'est repenti. Je vous demande maintenant à vous, gentes dames et beaux cils, allons-nous le libérer? Ou allons-nous le pendre demain? Thank you.
Thank you.
Il est parti, hein. Il est allé. La vie a chopé dans l'air, les gars. Le chef, il est dans l'air, le chef. Poitiers! Non, il y a un peu de monde.